Salutations au collectif des poissons, salutations à tous les âmes. Voici venu le temps des cerises, le temps des pastèques, le temps des... mes chers poissons, on va commencer par le début, n'est-ce pas? Gardons une fluidité. C'est une lecture collective. Ce tirage peut résonner ou pas. Si cela ne résonne pas, ne forcez pas les énergies. C'est-à-dire que il y a des êtres qui regardent certains tirages, peu importe qui vous regardez. Et puis, bien que ce y a pas grande résonance, ils vont aller forcer les informations pour que ça matche avec la situation que la personne vit. Ça, c'est un forcing des énergies, c'est-à-dire que je, sans me rendre compte, en écoutant, j'y tiens à ça parce que c'est peut-être une information importante de la manière dont vous choisissez, vous ressentez une lecture, c'est très, très, très important. Donc, c'est pour cela que j'appuie énormément sur le fait que si cela ne résonne pas, ne forcez pas les énergies, parce que si ce ne sont pas vos énergies, s'il n'y a pas de résonance, hein, cette subtilité, ce quelque chose, ce détail, ça me parle, vous connectez immédiatement. Cela, c'est produit la résonance. Et si on fait du forcing, je sais, je parle beaucoup, mais c'est très important au fur et à mesure de mes lectures, j'essaie d'ouvrir cette perspective de ce que ça veut dire une... ce que ça veut dire, une autre perspective d'écouter, d'observer une lecture. Lorsque vous faites du forcing, parce que on est dans un instant, comme tout le monde, on n'est pas bien, on cherche des réponses, on force les énergies et, sans se rendre compte, les énergies, on ne peut pas contrôler comme on contrôle encore, d'accord? Ah, j'ai le nez de travers, je vais aller chez le médecin, il va me le mettre droit. Les énergies n'ont pas, comment dirais-je, d'odeur, n'ont pas des... Elles travaillent, et vous allez incarner ce qui ne vous appartient pas. C'est dit. Alors, mes poissons. Voilà. Là, je suis sortie de ces trucs. Voilà, moi, je... Joli. Je pense que j'ai capté là quelque chose. Je pense. En fait, je le ressens. Allez, pour les poissons. Les poissons, mes chers poissons... qui ont œuvré comme des fous. Comme des foufous. C'est pas préjoratif. Hein? Ceux qui savent connaissent mon petit côté au milieu de quelque chose. Je l'ai eu l'énergie. Mes poissons, vous êtes au milieu d'un changement. Vous allez lire, et puis, je donne plus des justifications. Là, je reste là, concentrée. Allez, au milieu d'un changement, cela veut dire que tout ce qui a eu les, on va dire, on va rester sur les ciments. Hein? Je donne une ligne de temps comme ça. Les 6 mois en arrière, il y a eu des ajustements très importants. Il y a cette énergie au milieu
d'un changement, au milieu d'un virage, au milieu d'un changement de style de vie, au milieu de quelque chose qu'on a pendant 6 mois, on a œuvré pour manifester des mieux qu'on peut. Hein. Obligation de résultat là, avec la manifestation, comme avec les énergies, c'est. On n'œuvre pas de la même manière que ce cerveau biologique a pour fonction de naviguer dans la matière. Au milieu d'un changement, au milieu. Donc vous arrivez à ce milieu entre deux eaux. Ça me vient, ça me connecte immédiatement et allez-y. Allez-y, juste par curiosité, ça ne mange pas de pain. Ça me connecte à cette chanson qui n'est pas française. Je ne sais pas pourquoi. Ça m'a filé un coup de latte là quand même. Entre dos aguas. Écoutez là, il n'y a pas de paroles, mais il y a une fréquence. C'est un. Il me semble, si je ne me trompe pas, mais je ne pense pas, parce que là. Merci, mon chouchou. Il y a un tempo, une rythmique, ça me ramène aussi à. Hein, rappelez-vous ce tirage avec le boléro de Ravel. J'ai la même énergie. Là, c'est entre au milieu d'un changement. Donc là, vous avez mis une énergie d'action hein, qui vous a amené à ce milieu. C'est le plus important, d'être dans ce milieu. Cela veut dire que vous avez déjà amené des énergies, des pensées, des... Ça y est, j'ai la direction, je sais comment je dois gérer ça. Donc vous êtes entre deux eaux, mais non pas pour choisir, c'est pas cette énergie, je vais aller en ville ou à la campagne. Vous voyez ce que je dis? C'est pas une question de choix, c'est une question de tempo. Entre deux aguas. C'est, si ça me vient, celui qui ou l'être qui a la connaissance de cette chanson, c'est un guitariste. Mais un génie, c'est ce morceau. Écoutez-le, ressentez-le. Et là, vous allez extraire, si ça résonne à cette lecture, ce tempo. C'est le tempo, c'est le rythme. Est-ce que, voilà, je mets un peu de douceur, je vais pousser avec un petit peu d'énergie d'action. C'est ça. Au milieu, un changement. Il est profond. Parce que... Ouh! C'est normal. C'est un peu des frissons. Allez, pour mes poissons. 4 découpes. Contemplation. Contemplation, c'est-à-dire que vous êtes dans ce milieu, hein? De changement, changement des trajectoires, changement des coiffures, changement des... je dis ça n'importe quoi pour essayer d'ouvrir le maximum comme j'essaye à chaque fois et puis des êtres me disent qu'ils ne comprennent pas ce que je dis. Cela n'est pas grave si... Il n'y a pas de compréhension, c'est qu'il n'y a pas de résonance. J'insiste encore. C'est que cette lecture n'est pas faite pour vous, tout simplement, vous zapper
Et vous allez, ne vous inquiétez pas, l'univers vous mènera vos pas, votre cœur, vos yeux sur la lecture qui vous faut la force. Donc, attention, waouh! Waouh! Attention, là, il y a cette énergie de contemplation, mais qui est soutenue par la force. C'est-à-dire, ce n'est pas cette contemplation, comme la chanson là, je ne vais pas nommer parce que avec YouTube, cette contemplation mielleuse, je suis amoureuse. Vous voyez ce que je veux dire? On gratte la mandoline et on passe dans les rêveries nostalgie. Non! Là, on contemple avec de la force. On contemple pour percer. Pour percer une direction, quelque chose. On va aller voir. Waouh! Waouh! L'empereur. Force, détermination. C'est-à-dire que là, les poissons, vous êtes dans une énergie juste. Waouh! Quelqu'un qui est assis, il contemple ce que les autres voient. Voient quelqu'un qui est assis, qui contemple. Il y a cette forme de contemplation que les êtres de l'extérieur pourront croire que vous êtes en état de vulnérabilité. Et c'est ça qui est génial. Parce que justement, ça ne m'étonnerait pas qu'il y a dans cette énergie de contemplation, ce quatre des coupes, hein, on a ses coupes à ses pieds, mais vous voyez ce milieu de changement. C'est ça, c'est cette contemplation pour ramener ce quelque chose, comme je vous ai dit, un petit peu de douceur. Là, on va accélérer, freinage. Vous voyez ce que je veux dire? Là, vous êtes en train le rythme. Je reviens à cette chanson. Écoutez-la. J'insiste. Je sais, je fais une lecture, mais j'insiste sur cette résonance qui, si ça m'a connecté, il y a des millions et des millions de chansons quand même. S'il vous plaît, mettez en commentaire l'artiste. C'est un artiste espagnol qui je l'aimais. Mettez-le entre dos aguas. Au milieu d'un changement, entre deux eaux, mais pas entre deux eaux. C'est cette question de tempo. Tempo. Je garde ma. Voilà. Je contemple avec la force, je contemple avec détermination. Et là, le poisson. On verra. Qu'est-ce qu'il contemple? Pourquoi il a besoin de cette force? Pourquoi il a besoin de cette détermination? Là, c'est comme une partition de musique. Les notes se posent, les cartes se posent. Allez. Voilà d'où vous venez. Le 5 des coupes. Voilà ce que vous avez. Waouh! Si vous êtes dans ce milieu de ce changement, ce que vous avez, hein, qui dit milieu, c'est-à-dire qu'on est venu de quelque part, hein, d'une épreuve, d'une
d'une situation, d'un parcours qui se boucle, hein, qui est laissé derrière. Donc là, le collectif des poissons, je dis comme ça, ils ont fait quelque chose pour être dans ce milieu de changement. Donc, il est enclenché après à chacun de prendre, hein, de mettre la note, de mettre le rythme plus doucement, un peu d'action, voilà. Vous voyez ce que je dis? C'est pour ça que c'est très important d'écouter et laissez-vous imprégner par ce tempo de cette magnifique création qui vient d'ailleurs, entre deux aguas, et sentez le rythme. Voilà d'où vous venez. Vous avez réglé, déjà, dans la dernière et avant-dernière lecture des poissons, il y a eu deux phases de guérison assez précieuses. Je ne dirais pas importante. Ce 5 de coupe, c'est cette blessure d'abandon. Et d'ailleurs, je l'ai capté dans la lecture, hein, Saturne rétrograde en poisson. Là, c'est véritablement... c'est un état, voyez, du 4, là, la tête, les coupes sont rangées à vos pieds et on est en train de manifester la quatrième coupe, celle que vous désirez. Peu importe un projet, une maison, une relation, il y a quelque chose de fondamental ici. Et puis regardez bien comme d'où vous venez les poissons. Les coupes, elles sont par terre. D'accord? Vous avez baissé la tête et ce qui est chose magnifique, vous avez tellement baissé la tête que vous n'avez pas pu voir vos deux coupes. Là, vous levez la tête. On va voir. Je prends mon temps. Si des êtres sont... ils aiment beaucoup les lectures. Ah, justice! Ah là 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 là, mais c'est les poissons. Les poissons, je vous adore, mais franchement, avant que je continue... Quoi que vous avez fait, quoi que vous avez traversé, quoi que vous avez encaissé, quoi qu'on vous a donné des coups de latte, des coups des bâtons, des quoi que ce soit, sachez une chose, au moins de ce que je ressens là, c'est pas sachez ce que je ressens plutôt, et que là, je l'ai capté dans la lecture des Saturne rétrograde en poisson. C'est des énergies de bulldozers là. Des bulldozers. Ça discute pas là. Ça veut dire que ça discute pas. Vous négociez plus. Voilà ce que vous avez. Vous négociez plus avec les énergies des autres. Waouh! Alors, bien qu'elle soit tombée, je me comprends parfaitement et je sais exactement le tempo. De dédaigner l'impératrice.
Là, je pousse parce que il y a ha 6 des bâtons. Le chariot, la lune, voilà, le cancer et le poisson. Hein. Et on finit en beauté avec, on finit pas en beauté, c'est le magicien. Je suis complètement inspirée là. Et là, c'est le conseil qui est sorti tout seul, le 3D, dénié. C'est véritablement. Alors, mes poissons. Oh, vous imaginez même pas que des arcanes majeurs. La force, l'empereur, la justice, le magicien, la lune, l'impératrice. Alors là, s'il n'y a pas des fondations, s'il n'y a pas quelque chose qui vous lève, qui vous pousse, qui vous... On ne peut pas louper ça. On ne peut pas ni louper, ni se tromper, ni quoi que ce soit. On commence par cette énergie des « je contemple ». Mais je ne contemple pas avec cette énergie des rêveries, nostalgie. Ah, oh, ah, le bon vieux temps, c'est pas cette énergie. Je contemple avec la force. Parce que en amont, j'ai capté dans les deux dernières lectures, parce que c'est pas que j'aime bien, mais je suis l'énergie, je les suis, je sais. J'observe votre évolution, j'observe tout ceci. Et vous contemplez avec cette force parce que vous avez dompté cette physicalité, on va dire. Exemple, vous avez eu des nombreuses expériences, votre sensibilité, c'est ça, votre sensibilité qui vous faisait baisser la tête, mais pas parce que vous le voulez, c'est parce que des énergies extérieures vous pointez ces énergies, je sais pas, votre entourage, voilà, cette sensibilité comme une sorte de faiblesse. Vous avez entendu? Il y a une répétition. Ah, trop sensible, trop ci, trop ça, trop ça. Eh bien, le poisson, pardon. Vous savez, c'est l'énergie que j'ai là. D'un pêcheur. Et oui, je suis perché, moi. Je vais dans des métaphores. D'un pêcheur qui a son habitude de devenir perché. Perché, eh oui, je suis perché. Pêché. Au même endroit, vous êtes des poissons, je donne cette métaphore pour que, eh bien, durant des années, tout le monde se fait avoir. Collectif des poissons, voilà, vous imaginez un banc de poissons, hein, je superpose pour... Et puis, au fur et à mesure des années, ils ont appris à... de cette sensibilité de cette innocence, on ne craint pas, je fais du bien. Et le retour, ça a été, le hameçon, il a toujours, le pêcheur vous a attrapé. Le pêcheur, c'est qui? C'est le monde extérieur. Eh bien, et cette année, le pêcheur, il revient au même endroit. Sauf qu'il va partir bredouille. Il va vous contempler comme le pêcheur. Il contemple, il reste là. D'accord? Il peut rester 2-3 heures parce qu'il part dans cette... Eh bien, vous avez la force, vous avez fait de cette soi-disant vulnérabilité, trop d'empathie, trop de ci, trop de ça. Eh bien, le pêcheur...
il part, bah, il range son matos et puis il rentre. Bah, il fera pas la soupe. Parce que le poisson, il a appris de bien maintenant, parce qu'il est en état de contemplation profonde. Quand on contemple véritablement, c'est non pas analyser, mais c'est comme on vous largue toutes vos expériences, vous les posez et vous commencez à relier. C'est ça qui vous donne cette force de contemplation. Et là, vous êtes déterminé. Déterminé de quoi? Il se peut que des êtres sont en lien, puisque chez l'empereur et la justice, il se peut que il y a des êtres qui sont poisson ascendant bélier ou poisson ascendant balance. Je ne connecte pas avec qui que ce soit là. Moi, je me concentre uniquement sur le poisson, hein, pas à ce qui il est lié. Il y a des déterminations, voilà. Vous passez de cet état de contemplation, vous passez, ça veut dire, ce milieu de quelque chose, vous mettez le turbo. Vous mettez le turbo, mais pas pour marcher sur tout le monde, pour ah, toi, pars de là, toi, casse-toi, toi, voyez ce que je veux dire? Vous mettez le turbo, vous utilisez cette énergie de l'empereur, très ancrée, très déterminée, très, très visionnaire, très. Il a tout. Il a tout pour dégager cette énergie. Des cinq découpes. Et puis c'est juste. C'est-à-dire que quoi que vous situez dans votre processus à cet instant où vous regardez cette lecture, c'est juste, c'est équilibré. C'est équilibré comme c'est pas possible. C'est au millimètre près. C'est, voilà, ce tempo de cette composition, parce que c'est une composition. Ah, je ne l'ai pas. Bon, je ne vais pas sortir de la carte là. Ça commence avec ces petites, ces jolies notes de douceur. Des douceurs, de calme, de sérénité, hein? La puissance du calme, la puissance de la contemplation, eh bien la puissance. Là, vous commencez à tirer sur la corde pour que le son monte. Et puis, vous êtes vu. On sait que vous êtes là. Parce qu'il y a cette énergie hein? Quand on dit l'empereur, attention. Je parle de l'énergie, quand on incarne cette énergie de l'empereur, même si on va aller à la boulangerie, on rentre, tout le monde. C'est comme ça. C'est l'énergie. C'est l'énergie. Mais vous ne l'utilisez pas pour que tout le monde se tienne en carreau, que tout le monde fasse comme ça, que tout le monde fasse waouh! C'est pas ça. Il n'y a pas de l'arrogance là. Là, vous avez dans votre viseur cette énergie de votre sensibilité, vous la transmutez et avec une grande, grande justesse, mais. Parce qu'on a l'empereur, on a l'impératrice. Il y a aussi une énergie d'un couple puissant là. Là, j'ai l'énergie d'un couple puissant. C'est-à-dire qu'il y a, il y a des unions qui, on appelle ça,
Je vais le dire en anglais. Eh oui, je passe de l'espagnol en anglais. Power couple. C'est lorsque ces deux énergies de ces deux êtres ont été fusionnées. C'est ça, c'est une partie, hein. C'est pas pour tout le monde, hein. Hein, c'est pour ceux qui sont célibataires, tout ça. Mais là, j'ai l'énergie, je capte l'énergie des, hein, d'un couple très puissant. Très, très, très puissant. Attendez que c'est pas fini. Parce que là, il y a le tempo. Ça commence un petit peu avec les cordes. Contemplation. Et puis, brum, les cordes, il y a. On tire les cordes pour qu'elles donnent cette impulsion, de cette force. Puis la présence. Présence, une présence, les poissons, vous avez une présence. Ne soyez pas timide ou vous sentir gêné lorsque on vous fait des compliments comme « Ah, ta présence me fait du bien ». Waouh! Vous voyez ce que je veux dire? On fait ce waouh! Prêtez attention à ce que, comment les autres vous voient. C'est eux qui vont vous aider à vous situer parce que vous êtes en signe 2. C'est du feu là. Donc, ah, vous l'utilisez aussi. Vous voyez, on me met les projecteurs là sur un détail très subtil. Non seulement vous utilisez la vache, c'était devant mes yeux, l'empereur, feu, eau. Vous utilisez, quand je vous dis que cette énergie pour, hein, cette énergie pour dégager cet, hein, état des émotionnel qui vous a coupé de votre enthousiasme. Non, mais personne ne comprend, personne ne me comprend. Oh que oui qu'on va vous comprendre. Oh que oui. Parce que vous utilisez, vous, en tant que signe d'eau, cette énergie de feu pour vous allez dire oui, mais c'est l'eau qui éteint le feu. Oui, énergétiquement, on peut faire ce qu'on c'est, on peut utiliser toutes les combinaisons, hein, toujours dans la matière. Ah oui, le feu, on l'éteint par l'eau, tout ça. Alors, si on suit cette logique là, les énergies, c'est ça part en ce feu, vous chauffez cette eau, hein, qui vous donne froid là. Hein, c'est, regardez cet être. Il s'est recroquevillé sur, hein, c'est comme si il a besoin de cette chaleur, de cette tendresse. Et il a mis, il a mis les coups de pied dans ses propres coupes. Là, l'empereur vient. On va chauffer le cœur, on va chauffer. Là, on va amener un petit peu d'enthousiasme. Et à la justice, non seulement c'est juste de votre part, de la manière dont vous, hein, créez ce tempo des énergies, vous ramenez au bon moment. Hein, c'est une belle rythmique là. Mais il y a aussi, magnifique, une intervention, hein, divine, qui est autant équilibré, c'est-à-dire que autant vous mettez, mieux que ça, je ne peux pas faire. Je ne peux pas dire et je ne peux pas transcrire là. Aide-toi et le ciel t'aidera. Vous êtes, voilà ce milieu que vous êtes en plein milieu, c'est-à-dire que, focalisez-vous là. Vous êtes venu avec votre part, aide-toi, vous avez mis
en route les énergies qu'il fallait et le ciel t'aidera. Donc, cette énergie est, vous l'avez rendue disponible. Pareil, gars, comme vos cousins, c'est la même énergie cancer, il y a un choix des... En plus, j'ai de la forte présence des cancers là. Forte présence. Il y a un choix de quelle source de revenus je laisse maintenant rentrer. Et vous allez voir que chez vous, il y a dans le conseil, je sais que je saute, mais c'est ainsi. Vous êtes face à ce choix et vous mettez au travail. Vous allez créer votre propre monnaie. Et quand on dit ceci, ça veut dire que vous allez créer par votre créativité, avec toutes ces énergies, tout ce, aide-toi et le ciel t'aidera, vous créez cette énergie pour... Regardez, il se met au boulot là, hein? Il crée ses propres deniers. C'est-à-dire qu'il y a... Le poisson va extraire cette énergie. Parce que c'est une énergie, l'argent. Mais ce n'est pas aller au travail, fiche de paye, ça, c'est une énergie. Hein? Le poisson crée. Déjà, il a créé. Il s'est aidé. Et le ciel t'aidera. Ça veut dire que dans cette énergie, le ciel t'aidera. On vous a inspiré des choses pour créer par vous-même la source des revenus. La source de... C'est-à-dire, vous imaginez, l'impératrice, c'est stable. Stabilité, ancrage. L'impératrice, elle est passée par toutes les reines. Tantôt reine des niais, un petit tour par la matière, la reine des coupes, c'est l'eau, hein? Beaucoup par cette énergie d'amour, d'empathie, hein? Je déverse. La reine des coupes est là, elle fait que sortir. Il est vrai que dans cette énergie, selon... Hein? Elle ne demande pas grand-chose en retour. Donc, l'impératrice est là, elle est passée par toutes les quatre éléments. Vous y voilà. Vous y voilà avec cette... C'est même pas une question des... C'est au-delà d'une... C'est une réussite sur soi-même. Et forcément, automatiquement, ça va vibrer la réussite dans cette matière, dans tous les aspects. Là, c'est très solide. C'est fertile à des grossesses, hein. Des grossesses qui sont sous un très bon hospice, j'allais dire hospice, avec mon accent, excusez-moi, et puis merde, je m'excuse pas, il est ce qu'il est, ça s'articule comme ça. C'est des grossesses désirées, voulues, c'est pas oh accident mais... non parce que il y a le bon tempo, bon timing, le bon rythme, les énergies qui s'imbriquent,
vous vous êtes aidé, le ciel vous aide. Victoire. Je n'ai jamais expérimenté jusqu'à cet instant, mes chers poissons, ça tombe sur vous, d'avoir une énergie de victoire qui est vibrante parce que c'est l'élément de feu. Et pardon, l'empereur est à ses pieds, se tient la victoire au pied de l'empereur. Non seulement il y a cette victoire vibrante, ouais, on a envie, ouais, les poissons, vous avez envie de la montrer, oui, c'est votre pas revanche, puisque vous vous êtes aidé, le ciel vous aidera, c'est votre droit divin, ne pas d'afficher, c'est pas ça, mais vous la vibrez cette victoire. Immédiatement, vous chargez, je ne sais pas dans quelle direction, donc ce milieu de changement. Il est là. Vous prenez les rênes de votre ombre, de votre lumière, de tout ce que cette impératrice elle est passée par la terre, par le feu, par l'eau, par l'air. Là, vous savez. Vous savez utiliser. Voilà, ce tempo. Terre. Ancrage. L'eau. Tendresse. Je sors ma tendresse. Mon affection, ma bienveillance. Air. J'exprime ma vérité. Rien que ma vérité. Ça suffit avec. Je parle ce que les êtres en face ont besoin d'entendre. Avec l'impératrice, ça rigole pas. Cette énergie, l'impératrice, avec ces deux énergies, pardon. Donc, victoire, sourd. C'est comme si je reviens à cette... Vous êtes dans un concert. On va prendre ma dernière vidéo que j'ai contemplée moi-même. Contemplation. Ce clair de la lune. Je ne sais pas comment il a fait l'univers. Que j'ai mis la vidéo de ce pianiste. Et je n'étais même pas inscrite. C'est un être qui me l'a dit comme ça. Et puis il y avait du monde. Et il y avait deux chaises qui personne n'osait s'asseoir. Comme si ces deux chaises vibraient. Non, ça, Carla doit être là, à cette... pour contempler ce que autrefois j'ai fait aussi entendre à d'autres êtres. Eh bien, il n'y a pas de fausse note. C'est une belle mélodie. Il n'y a pas de clash. Il n'y a pas des efforts. Vous êtes soutenu parce que vous êtes à ce milieu de changement. Donc, vous avez amené votre trajectoire dans cet espace de milieu où aide-toi là et là vous restez contemplé là à ce milieu parce que vous le savez que maintenant c'est la part de la création de ce que vous croyez à faire et vous la ressentez, vous la ressentez, vous la vibrez, vous l'avez imaginé des milliers, des milliers, des milliers, des milliers de fois. Sauf que là, vous avez fait votre part. Victoire,
Et je connecte, c'est. Je n'ai jamais jusque-là expérimenté cette combinaison de cette énergie. C'est-à-dire qu'une victoire vibrante, c'est comme vous devenez le feu d'artifice. Vous voyez, c'est l'élément feu. C'est tellement. Cette victoire, elle est tellement pas bruyante, mais elle est vibrante, ça. Même si vous ne dites rien, qu'est-ce que vous avez pas réussi, mais atteint comme désir, comme rêve en vous, on le ressent à 100 km. Et puis, cette victoire, immédiatement, vous la consolidez. En montant dans ce chariot, il a une vitesse d'un autre monde. Et dans ce chariot, c'est vous prenez votre ombre, votre lumière. Il y a deux chevaux. Vous prenez, c'est-à-dire l'expérience de vos ombres, l'expérience de vos lumières, parce que on a mis sur la table aussi, ça c'est une facette des parts d'ombre que vous avez et que vous avez un viseur tel un sniper, de là, pas de la dégager, mais la transmuter, de l'ancrer en vous. C'est comme si vous mettez devant un miroir et vous faites ce travail d'ombre dont je parle et vous la regardez se ressentir en face et vous laissez incarner par cette sensation de j'ai froid, on m'a laissé dans le froid, on m'a fait pas mal de choses, ma sensibilité, tout ça, j'en ai trop, je suis, voilà, ce monde n'accepte pas ça, donc vous voyez, c'est un petit peu cette force mentale qui est complètement diminuée. Ouf. Vous voyez juste, c'est grâce à cette force que vous, l'empereur, la dégage pour la faire entrer en vous. Quand on fait de nos expériences des forces, ce n'est pas pour jeter quoi que ce soit à la poubelle. Non, non, non. On fait rentrer en nous. Et puis, on rajoute un outil de plus. Et là, vous chargez. Vous chargez une victoire sur victoire. Je ne sais pas si vous saisissez ça. Là, vous avez une victoire. Vous vibrez cette victoire. Immédiatement, vous vous dirigez vers une autre victoire. Ah, il faut la gérer. Hein. Vous voyez, toutes ces notes-là. Chaque octave a son et a sa place. Il n'y a pas de fausses notes. Vous n'êtes pas trompé. Il n'y a pas question de je me suis trompé, est-ce que j'ai dosé assez ou quoi que ce soit. Non. Les énergies qui sont là ont pris soin. Et parce que vous laissez incarner quand même par pas mal des énergies, hein? Feu, terre, pas mal de feu quand même. Et vous travaillez aisément avec ça. Vous œuvrez. Ce feu, ça y est, il a, ça y est. C'est ça la victoire sur cet homme. Tout à l'heure, je disais vibrante, vibrante, et vous voilà. Alors là, cette victoire appuyée par l'élément eau, vous prenez votre, hein, le chariot, et vous imaginez que cet être, regardez bien, il dirige avec une précision, même l'intelligence artificielle, elle ne peut pas faire ça.
s'il y a des virages, les deux, s'il y a quoi que ce soit, mais ça, c'est de la vitesse, c'est du turbo. Autre victoire, ha! Voilà, on a là, le regard vers là, c'est très intéressant. Vous découvrez quelque chose. Vous montez sur ce chariot parce que vous avez fait une découverte sensationnelle. Sensationnelle dans le sens que toutes ces énergies-là, tac, 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 bon, victoire, vous la vibrez, puis grâce à cette victoire, vous montez dans ce chariot parce que vous prenez conscience, connaissance aussi, on vous amène à votre connaissance. Vous démasquez tout là. Vers ça, c'est vers ça que vous courez. Vous ne courez pas. C'est vous dirigez votre ombre. C'est vous que vous êtes. Vous avez les rênes de ces deux chevaux. C'est eux qui courent. Vous êtes le pilote là. Attention. Vous êtes le pilote. Mais là, il y a quelque chose qui s'est dévoilé, qui en secret. Tout ce qui a été caché. Et le pilote, comme on reçoit un coup de fil, prend ta voiture, et au téléphone, il dit, je suis dans tel endroit. Mais je dis, pourquoi faire? Non, viens, il y a quelque chose. Donc, il y a quelque chose, je ne peux pas te dire au téléphone. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a ça. Il y a ce quelque chose qui vous vient. Vous courez. Vous vous mettez dans la voiture, vous ne savez pas pourquoi, mais vous savez que vous devez vous dépêcher. Et là, il faut une sacrée, savoir mener son véhicule, ce chariot, c'est pas rien quand même. Vous courez, aspirez. Ces informations, et avec ces informations, manifestation. Voilà. Tout ceci, mes poissons, au mois de juillet, vous parlez, vous manifestez. Vous fermez les yeux, vous posez une image, vous manifestez. Vous contemplez quelque chose. Et puis, vous avez une vibration. Ah, tiens, j'aimerais bien ce job ou travailler dans ça. Vous voyez cette énergie où on se met au boulot sur beaucoup des aspects, par soi-même. Là, c'est de la création pure. Création pure. C'est-à-dire que j'ai l'outil, j'ai créé l'outil. Pour pouvoir faire ma monnaie, sa propre monnaie, c'est quoi? C'est que j'ai un savoir, j'ai quelque chose qui, je peux le mettre, offrir pour pouvoir en tirer un revenu. Vous voyez? Cette énergie de réciprocité qui arrêtait pas dans la lecture des Saturnes rétrogrades, que j'ai insisté beaucoup et que des êtres disent malheureusement, je ne comprends pas. Malheureusement. Et je dis malheureusement, je ne peux pas. Il est ce qu'il est. Voilà. Manifestation. Alors là, mois de juillet, les poissons, écoutez-moi. Aucun forcing pour manifester. Vous avez. Parce qu'il y a le. Et le ciel t'aidera. Il y a la présence de la création. Quand je dis la création, c'est pour tout le monde. D'accord? Nous ne sommes pas dans des religions. C'est la porte ouverte. Si vous croyez à une fourmi, écoutez. C'est ça, la création. Et si vous croyez à je ne sais pas, vous avez une
quelque chose, voilà, qui un objet que vous posez sur votre table de nuit, mais c'est votre temple à vous, c'est la création. Chacun a son, ça crée de manière intime sa propre ligne directe avec la création, donc la manifestation immédiate, sans trop de peine, sans trop de ci, sans trop de ça. Mais passons, vous y voilà. Au milieu, vous êtes. Vous avez eu rendez-vous. Vous l'avez créé, ce rendez-vous. Tout d'abord, par vous-même. Gardons. C'est aide-toi. Vous vous êtes aidé de la manière la plus, c'est pas uniquement dans un seul, dans tous les aspects. Vous vous êtes aidé de gagner en force, ancrage, présence, je suis là. Le poisson, on ne peut pas venir faire rentrer, sortir. Non, maintenant, ma présence, c'est un pare-feu. Vous faites la reconnaissance profonde de ce que le monde extérieur a mis à mal votre sensibilité, votre si, votre... Hein, que c'est pas bon, parler les temps qui courent, soyons des animaux. Voilà, soyons comme des primates, soyons comme chacun pour soi. Voyez ce que vous vous domptez, cette femme. Hein? Elle dompte l'animal, cette animalité qui s'est inscrite dans ce monde par « je m'en fous ». Je fais du mal et je m'en fous. Ça ne me regarde pas, voyez. Mais vous, vous tenez à votre humanité. C'est la même humanité, c'est pour ça que c'est un travail profond d'ombre. La même humanité qui, dans l'humanité, c'est quoi? C'est la sensibilité, être touché par ce qui se passe autour. Laisser traverser la souffrance des autres sans pour autant faire la nôtre, mais déjà la ressentir, on aide énormément le monde. Et puis, vous mettez devant le miroir symboliquement, vous faites ce travail d'ombre et vous vous apercevez que en incarnant cette part d'ombre en vous, vous vous apercevez que vous pouvez aller rayonner dans les endroits les plus obscurs. Et puis là vient la partie, donc là nous sommes dans la partie aide-toi, et là, et le ciel t'aidera. Là, c'est la partition que la création, les forces bienveillantes, les énergies, les vibrations, à tout à chacun de nommer comme cela bon lui semble. Il amène comme ce même milieu de changement, il y a ce milieu, hein, ce milieu, ce de dédaigner, de choisir, hein, de... oui, pour être, voilà, je vais rester à la surface, parce qu'en ce moment, hein, il faut rester un petit peu à la surface, particulièrement les... dire que vous passez, en fait, vous passez par votre cœur, par votre
C'est pas véritablement un choix non choisi. C'est un choix. Ça va être peut-être choquant ce que je vais dire, mais je ne suis pas là pour. Et je n'incarne plus cette non, il va falloir bien brosser. Je ne brosse rien du tout. Ah non, non, non. Même avec moi-même, lorsque je m'attrape un petit peu, que soit je me file des coups de latte, mais joliment, joliment, gentiment. Là, ce qui m'est inspiré, et là je l'expire, c'est-à-dire que je le redistribue, cette inspiration. Vous êtes dans cette énergie. Bon, pour ce qui me reste à vivre, comment je veux le vivre? Donc, il y a cette énergie. Voilà, vous voyez? Pour ce qui me reste à vivre, comment je veux le vivre? Et beaucoup des êtres passeront des fiches de paye à des gens savoir. J'ai l'impératrice, c'est-à-dire que je suis passée par toutes les hein, par toutes les éléments. Je c'est pas que vous les contrôlez, vous savez œuvrer avec hein. J'en sors de moi ce qui était peut-être pour certains êtres latent. Eh bien, là, vous vous mettez au boulot, mais c'est même pas un boulot, c'est un plaisir là. C'est un plaisir parce que la fiche de paye, c'est quoi? C'est que vous vous levez le matin et vous vous déplacez d'un endroit à l'autre et puis vous n'amenez pas aucune créativité. Vous suivez des tâches. Là, il s'agit des. Vous, vous faites votre fiche de paye, vous créez votre source de revenus, puisque vous la frappez cette monnaie, hein, c'est symbolique. Quand on frappe ça, on frappe sa monnaie, c'est dénier ce que. Je donne mon exemple, hein. J'ai de l'or sur ses mains. J'ai de l'or, bah, vous voyez que des mains. Parce que j'ai un savoir. Je suis couturière et quoi qu'il arrivera, même si c'est un rythme, depuis que il y a eu cette fermeture de mon atelier, je travaillais toujours parce que j'ai frappé ma monnaie, le savoir. Toujours il y aura quelqu'un qui aura besoin un jour. Vous voyez ce que je veux dire? Toujours je pourrai. Jusqu'à la fin de mes jours, toujours je pourrais, d'accord, extraire, parce que la monnaie, elle est frappée, le savoir. Il nous suit jusqu'à. Ça peut toucher, moi j'ai donné comme ça. Peut-être que vous savez faire, je ne sais pas moi, vous savez faire des choses, et c'est là. Et vous avez l'appui de l'impératrice, c'est une victoire sur une victoire. Vous, et bingo! Voyez, quand une lecture, on s'assoit et on parle, on va dans les profondeurs. Et là, on saisit des informations qui, des petits détails. Voilà ce que vous découvrez en fait, ce qui est caché, ce qui vous est caché. Jusque-là, pour beaucoup des êtres, ma parole, demain c'est la pleine lune. Mes poissons, avec cette pleine lune, en cancer en plus, et en plus vous montez sur le chariot, c'est juste.
J'ai pas des mots là. J'ai pas des mots. Cette pleine lune vous largue, mais écoutez-moi, des instants de grâce, des eureka, des comment je l'ai pas pu venir. Et non, vous deviez pas le voir, vous ne deviez pas le comprendre parce que, et vous manifestez avec. Manifestation, ça veut dire amener mes rêves, hein, c'est pas. C'est pas cette. Des mantras, et vas-y que je répète, mais je sais pas ce que je répète. Voilà. C'est pas positive attitude, non. Justement, voilà où devient la lumière sur ce travail d'ombre, on le jette pas la poubelle, ce qui fait les poissons. Cette combinaison-là, cette pleine lune en cancer, en plus, voyez, si votre cœur là, il est, c'est coupe, c'est l'état de votre cœur. Si vous avez donné des coups de pied, chaque coupe, ça peut être, je rejette, voilà, et puis merde, hein. Ce monde ne veut pas ni de ma sensibilité, ni mais je suis trop émotionnel. Ce trop émotionnel, d'accord? Ce trop émotionnel, il est transmuté. Vous levez la tête, et vous allez... Vous voyez ces deux coupes qui sont pleines, qui vous attendent comme ça. Voilà pourquoi il y a cette énergie, hein, du magicien. Le magicien, allez, hein, on ne va pas se mentir. Hein, entre nous, 1h07, eh, ben, avec les poissons, ça peut aller jusqu'à 2h. Hein. On ne va pas se mentir. C'est pas l'arbre là qui... Hein, c'est quand on arrive à cette énergie des magiciens, c'est que, hein, il y a eu parfaitement cette trajectoire qui fut menée jusqu'à un certain point de rencontre, d'accord, pour que cela se produise. Et de toi, vous avez avancé avec un processus derrière, particulièrement les 6 derniers mois. C'est ça qu'est la victoire. En fait, voilà ce que vous vibrez. Voyez, plus haut, hein? Vous vibrez ce roupi, mais vous la vibrez, cette victoire. Hein? C'est une victoire, 6 mois pour certains êtres, 6 ans, oui, oui, oui. Oui, et on a le 6 et le 7. Regardez bien. Feu et l'eau. 6-7 mois. Il n'y a pas plus clair que ça. Et là, si je vous dis, mon Dieu, le détail que j'ai. On commence par le 4. 4 découpes. 5 découpes. 6. 7. 8. On a 2, 3. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a quand même dans avec la vibration des nombres, il y a quelque chose. Il y a quelque chose. Je ne vais pas aller ni plus loin, ni trop près, ni trop à côté, ni trop... hein? Je vous laisse là, mes chers poissons, avec cette magnifique justice. L'énergie de la justice, c'est le point de rencontre, d'accord? Entre, vous avez fait votre part, maintenant, reculez, ce que vous faites là pendant, hein? Vous rentrez après...
dans cette énergie de l'impératrice, elle est ancrée, elle sait. L'univers, la création, vous l'appelez comme vous voulez, et puis attention, mois de juillet, épique. Mois de juillet, épique. J'ai une énergie que si tout le monde a attendu l'été, pour vous l'été commence quand elle finira. Parce que vous savez que vous ne devez pas lâcher. De toute façon, il y a des énergies très rapides, très... Et puis, cette pleine lune va vous... va vous voir, va vous transmettre énormément de créativité, énormément, hein. Puis, il y a beaucoup de l'énergie des cancers, vos cousins qui, hein, les énergies des signes d'eau sont quand même, hein, ils se soutiennent lorsque, hein, c'est une masse d'énergie, elle est assez grande pour pouvoir, hein, il y a beaucoup l'énergie des cancers là. Et n'oubliez pas, si des êtres tombent sur cette vidéo, là, il y a une énergie des couples très puissants. Victorieux, qui mettent en action énormément de choses. Mais ce sont des êtres qui ont déjà réglé. Ils montent dans la voiture, ils ont leur vitesse de croisière, ils ont leur direction avec précision, ils ont la connaissance, ils ont fait le travail d'ombre, des lumières. Ce sont des magiciens. Cette énergie des couples puissants, sachez que c'est pas une question « Ah, ils s'aiment très fort ». Non, ça c'est une union des deux énergies, hein, qui ont fusionné, l'énergie masculine et féminine qui a fusionné déjà. Et ben, ça donne que des avanti, en avant, précision. Voilà, mes poissons, à mois de juillet, dans votre présence, avec beaucoup de puissance vibratoire, vous n'avez pas loupé le rendez-vous de faire votre part, puis la création fait sa part. Vous célébrez, vous vibrez votre victoire. Cela vous regarde sur quel aspect? Voilà. Suite à cette victoire, vous ne vous faites pas avoir de rester là, hein, sur cette victoire. Ouais, et ça continue. Non. Vous touchez cette victoire, vous la vibrez et immédiatement, vous repartez pour une autre victoire. Celle qui vous tient à cœur, celle qui vous touche le plus, ce que vous avez attendu, désiré, œuvré. Puis, pleine lune, très, très... Ouh. Ah, ça c'est la présence. Cette pleine lune, il y a une grande montée d'énergie, d'enthousiasme, de savoir, des,
Ah, je ne savais pas. Tout m'est dévoilé comme ça. Je ne demande rien, je suis sur ma chaise, je ne demande rien. Les informations viennent à moi. Parce que je suis à ma place. Parce que j'ai fait ma part. La création fait sa part. Puis, n'hésitez pas à demander. N'hésitez pas à dire oui. Je souhaite t'as ça, 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 ça. Votre vibration des cœurs, ce que vous pensez, ce que vous en vous, ce que vous, ça passe par votre cœur, ce que vous désirez, ce que vous sortez de votre bouche, ce que vous pensez, manifestation immédiate. Puis la vache, les poissons. Vous frappez votre monnaie. Je ne dis pas créer, vous la frappez. Ceux qui savent, savent. Sacrez-vous les poissons. Vous le méritez parce que je vous suis maintenant depuis. C'est pas que je vous suis, j'observe votre processus. Et franchement, c'est plus que mérité, c'est plus que. Hein, parce que ce n'est pas des énergies comme ça qui. Oh là là, vous n'avez pas forcé les énergies, vous. Vous n'avez pas forcé les énergies. Certains êtres, oui, ils le feront, mais globalement, vous n'avez pas forcé les énergies. Et c'est. Le cœur de cette lecture, il est là. De contempler avec force et détermination. Force et détermination. Je vois à 10 mètres, mais je vois aussi à 100 mètres. C'est ça la contemplation. C'est avoir une présence et en même temps, cette contemplation, déjà. Déjà dans l'éther, pas l'éther, éther. Voilà, c'est cette contemplation et l'éther, ça se construit et ça descend doucement, 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 doucement. Et voilà la matière concrète, tangible. Merci, au revoir. Et j'allais dire bon week-end. En même temps, on est jeudi, moi je sais plus, hein, les jours, les semaines, les mois, les ci, les là. Magnifique. Je merci pour tout le soutien, plus ou moins. Oui, j'ose le dire, hein, plus ou moins. On va dire, mais comme vous les poissons, vous êtes allés dans ce milieu, hein, vous avez fait votre part, je fais ma part et même si cela, je contemple comme vous, même si cela paraît en surface, quelque chose de fragile, je parle de cette chaîne, observez par où elle est passée cette chaîne et nous sommes là. Je dis bien nous sommes là. Moi à ma place, vous à votre place et chacun, il y a beaucoup, ce mois de juillet pour vous les poissons. Il est épique. Quelque chose qu'on a envie de le marquer pour pas l'oublier. Ça se marque dans notre mémoire, dans notre cœur, puisque vous avez cette énergie, vous vibrez la victoire. Et quand on vibre quelque chose, c'est la mémoire du cœur. On peut tout effacer. Hein? Dans le cerveau, n'oubliez jamais. Mais et
quand vous parlez à des êtres qui, soi-disant, ont perdu leur mémoire, parlez-leur avec le langage du ressenti. Ramenez-les à des émotions. Et vous verrez que ce cerveau biologique, il a une fonction uniquement hein, dans cette, comme un véhicule terrestre, comme cette voiture, ma voiture. On met de l'huile, on met des scies à un moment donné, hein, au bout d'un kilométrage, certains kilométrages, eh bien, il tire un petit peu la gueule. Mais il y a quelque chose d'intemporel, la mémoire du cœur, la mémoire des émotions et la mémoire du corps. Alors, magnifique mois de juillet. Oh, moi je vais être pas très loin, par-ci, par-là. Je suis jamais loin. Je vous embrasse.